les filles, coucou. J'ai l'air débile. Ouais, c'est pas grave. Alors... Il y a qu'un cheveu sur la tête à Mathieu. Il n'y a qu'une dent, il n'y a qu'une dent. Il y a qu'un cheveu sur la tête à Mathieu. Il n'y a qu'une dent dans la mâchoire à Jean. Il y a que deux, il y a que deux testaments. Oui, c'est la même... c'est la suite de la vidéo de tout à l'heure où je me maquillais avec un thème un petit peu automnal. Je sais pas si vous voyez quelque chose. Pas forcément. Et puis je voulais mettre un headband parce que j'en mets pas souvent. Et j'en ai reçu un d'un site super sympa à qui j'avais demandé si elle serait intéressée par faire un petit partenariat avec moi parce que je trouvais son site vraiment mignon. Un site d'accessoires de cheveux. Le site vachement joli avec plein de types d'accessoires de cheveux. Serre-tête, headband, bandeau. Pince, mais vraiment des trucs jolis, plutôt presque plus bijoux de cheveux et accessoires. Il y a un petit peu de tous les prix, mais c'est plutôt pas cher et je trouve que ça dégage une impression de vraiment bonne qualité. Quand j'ai reçu ce petit headband de la part de Blondie, que je remercie d'ailleurs, mes filles voulaient voir un petit peu quel était le site en question. Et il y a plein de trucs sur lesquels Alice notamment a craqué, Alice la grande. Donc je pense qu'on va bientôt passer commande. Et ce que je voulais faire, c'était profiter du fait d'avoir ce headband pour... Sur le site, qui est quand même super bien fait, il y a plein de fiches d'aide, des fiches tuto quoi, pour comment se coiffer avec tel ou tel accessoire, et ça j'ai trouvé ça vachement bien fichu. Le headband, alors... Lui, il est composé de deux tresses. J'aimais bien ce headband parce qu'il était aux couleurs de l'automne. Deux tresses qui sont reliées par un élastique. Donc évidemment, le but quand on va mettre ce headband, c'est de faire en sorte que l'élastique se voit pas forcément. Donc oui, ça peut être une solution. Pourquoi pas, de façon hippie, hein. Alors, on peut le mettre comme ça, mais on peut aussi jouer sur le fait que les mèches vont cacher un petit peu le headband à différents endroits. Ceux qui mettent plus votre visage en valeur, évidemment. Je veux dire, si ce qui vous va, c'est d'avoir une mèche qui se voit devant, bah mettez-la devant. Si c'est cacher un petit peu vos oreilles, bah cachez vos oreilles. Si c'est ceci, c'est cela, vous voyez ce que je veux dire. Bref, on fait vraiment en fonction. Donc le plus simple, quand on veut récupérer une mèche pour la refaire passer sous un headband, c'est tirer comme ça et aller chercher ses cheveux et les rabattre tout doucement. Parce que c'est vrai que sinon, on peut péter un peu un boulon. Et puis, en fonction de vos cheveux, vous pouvez aussi tirer un petit peu pour laisser du volume sur le haut. Vous voyez ce que je veux dire? Pour pas que ça fasse genre tout raplapla. Et puis, on peut aussi aller chercher des mèches. Hop. Pour les mettre par-dessus le headband, soit complètement, soit un petit peu par-ci par-là. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre tout ce qui... Vous m'entendez au moins? J'adore. Non, là, j'aime pas, hein, comme c'est. Je vais aller chercher toutes les mèches qui sont sous l'élastique et les mettre par-dessus l'élastique, parce que je trouve que c'est moche, l'élastique. Donc, il y a genre à peu près tout ça. Que je vais récupérer. Alors évidemment, les cheveux bouclés. Vous voyez ce que je veux dire? Évidemment, les cheveux bouclés, c'est encore plus chiant que les cheveux lisses. Enfin bon, je sais que les filles qui ont les cheveux lisses vont dire que c'est encore plus chiant les cheveux lisses, etc. De toute façon, dès qu'on veut faire quelque chose, il y a une partie de nous qui nous emmerde. Donc, voilà pour ça. Après... Moi j'aurais tendance à le mettre. Hop. Alors, il y a comment je fais pour camoufler les parties du headband que j'ai pas envie de montrer. Et puis il y a aussi où est-ce que je le positionne. Là je l'ai mis ici parce que ça me fait marrer, ça fait genre 68 ardes.
je vais l'enlever, je vais le repositionner. Hop. Partir du cou en dégageant les cheveux. Ça peut faire sympa, genre un petit peu années 50-60. Sauf que moi, ça me va pas parce que j'ai les cheveux. D'abord, toutes les coiffures ne vont pas à tout le monde de la même manière. Mais comme j'ai beaucoup de cheveux blancs et que là, il faut absolument que je refasse ma couleur parce que j'ai plein de racines, bah, ça se voit encore plus. Donc, c'est absolument hideux. Donc, je peux hop, faire un peu diversion en prenant. En prenant une mèche et en la faisant sortir, ça atténue cet effet vachement serre-tête à l'ancienne. Et là, je trouve ça déjà vachement plus sympa. Enfin, dites-moi, hein, peut-être que vous trouvez ça horrible ce que je suis en train de vous montrer. Et puis ensuite, il y a une manière de faire que je trouve vachement sympa, que j'ai vu pas mal, mais comme méthode pour boucler les cheveux sans chaleur. Donc on va mettre le headband par-dessus les cheveux. Donc on peut mettre sur le front ou plus haut, plus bas. Faites bien comme vous voulez, j'ai invité. Moi j'aime bien sur le front. Peut-être vieille, même ça. Donc, par-dessus tous les cheveux. Alors ici vous pouvez en profiter pour remonter un peu plus vos cheveux à l'arrière si vous trouvez que ça fait trop plat, etc. Et puis là, mèche à mèche, vous allez prendre une partie, une mèche de vos cheveux, la faire passer sous le headband, donc ça cache ici, une autre mèche qu'on fait passer sous le headband, donc ça fait hop. Des petits détails ici que je trouve vachement romantiques. Donc on continue, on fait toujours des mèches. Vous entendez ? De la même taille, à peu près. Allez, ce que je vais dire. Alors, je vais continuer par là. Je terminerai par les dernières mèches. Vous voyez? Et à la fin, avec ça, on va prendre la dernière partie des mèches. On va rouler à l'intérieur. Et voilà ce que ça donne. Et moi, je trouve ça vachement joli. Alors, à mon sens, ça tient super bien. Pas besoin de rajouter des pinces et des machins. Mais si vous préférez, parce que vous avez peur que votre coiffure... Qu'est-ce que c'est que cette petite mèche? Je ne m'étais pas vue. Excusez-moi, il y a correction. Voilà. Donc oui, ce que je disais, c'est que si vous avez peur que ça dégage, je sais pas, c'est une soirée, vous avez les cheveux super longs, etc. Et vous êtes pris la tête à le faire, vous avez peur que ça tienne pas, vous pouvez rajouter hop, des petites pinces comme si, comme ça, comme si, ou des pinces plates, au choix. Voilà. Alors là, je vais tout attacher parce que j'arrête pas de bouger depuis tout à l'heure. Donc voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez d'autres manières, d'autres techniques pour vous faire des coiffures avec headband? J'en ai marre de dire ce mot. J'en ai marre, sauvez-moi. Est-ce que vous trouvez que ça me va bien ou est-ce que j'ai l'air d'une truffe? Et ben voilà, j'espère que ça vous aura donné 2-3 idées. Je vous invite à aller faire vos curieuses et à aller voir le site de Blondie, qui est vraiment très sympa, il y a vraiment plein d'accessoires pas chers. Enfin pas cher, ça dépend, il y a un petit peu de tous les prix, mais ça commence à des prix raisonnables, c'est ça que je veux dire. En plus,
C'est une fille vraiment adorable. Je vous mets en barre d'infos le lien de son site et de sa page Facebook. Merci pour le petit cadeau, Blondie, c'est adorable. Et puis je vous retrouve très très vite. En vérité, je sais déjà quelle vidéo je vais tourner, puisque je vais la tourner maintenant, mais je vous les mettrai peut-être pas d'un coup, parce que sinon vous allez faire une overdose. Et c'est pas bon. Donc je vous embrasse super fort, et je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, et quoi? Je sais pas. Soyez heureuse. Oui. Ciao. Edben, j'arrête pas de dire une grosse connerie, bref. Puisque je deviendrai cliente, bref. Notamment le mettre ici. Alors là. Donc ces deux mètres sont Edben, voilà, comme ça par exemple. Donc tous les cheveux sont au-dessus pour l'instant. Non, c'est le contraire, je suis bête. Wow. Ooh, ooh, ah, oh, oh, oh.